Allez, c'est parti, on est arrivé sur le lac. Un lac de 200 hectares dans le sud-ouest de la France. C'est parti pour 2 semaines de pêche. Là, je fais un petit tour histoire de repérer la zone. On va commencer sur un premier poste. On va s'installer sur un premier poste, voir déjà ce que ça donne, si on arrive à rentrer du poisson. C'est un poste beaucoup plus encaissé. Dans ce style-là, mais qui est un peu plus en arrière derrière moi, quoi, un peu plus en aval. Et là, je vais voir un second secteur en amont. C'est le secteur où vraiment la partie s'élargit le plus. Et c'est vraiment la limite entre les deux secteurs. La partie vallonnée et la partie plutôt qui est le début du lac, qui est une plaine. Cette partie-là m'intéresse particulièrement parce que ben, il se serait vu du poisson ces derniers temps. Et puis c'est logique vu la saison et vu la hauteur du lac que le poisson se trouve à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement commencer à pêcher là-haut avec la famille, profiter tranquillement et venir amorcer un peu tous les jours pendant peut-être 2-3 jours sur le deuxième secteur. On verra exactement ce que je décide de faire à ce moment-là. Comme vous avez vu, c'est très vallonné, donc amorcer là-bas, je pense pas trop. Je pense pas trop parce que ça servirait pas à grand-chose, le premier poste, parce que c'est très encaissé, il y a une grande profondeur directe, on est dans 12 mètres d'eau, donc ça m'intéresse pas forcément. Par contre, ce poste-là, je vais venir l'éco-sonder, et je vais venir le repérer et l'amorcer un peu tous les jours. Et la suite nous dira à quel moment le pêcher. Bon, c'est parti. Ça y est, on est arrivé sur le lac. Alors j'étais plein de projets avant mon arrivée, je pensais faire plein de choses que je n'ai pas pu réaliser à cause d'un souci, un imprévu. Alors ce qui s'est passé, c'est que je pensais arriver sur le lac et d'entrée de jeu charger les bateaux, partir en repérage, essayer de trouver le poisson et les secteurs qui m'intéressaient le plus pour à la fois lier un poste confortable et pour la famille, parce que je suis pas seul. Un poste confortable pour la famille et productif pour la pêche, et ça n'a pas pu se produire exactement comme je le souhaitais. Alors hier j'ai posé une seule canne, hein, j'étais rincé, donc j'ai posé une seule canne sans trop chercher le spot. Je suis parti avec mon bateau, mon petit bateau et l'éco-sondeur d'ailleurs, qui est équipé du side imaging et du down imaging Humminbird. C'est le Helix 7, un vrai régal, hein. Ça m'a permis rapidement de voir si je pêchais sur quelque chose d'intéressant. Donc ce qui s'est passé, c'est que ce matin j'ai dû repartir au village d'à côté pour régler cette histoire avec l'assistance, pour me faire prêter un autre véhicule. Et ce n'est qu'à mon retour cet après-midi que j'ai pu en fait commencer vraiment la recherche. Donc je suis parti avec mes enfants faire un tour en bateau. Je suis descendu d'abord en aval, j'ai pas trouvé quelque chose d'intéressant. C'est pareil qu'ici, c'est la même chose, donc pour moi ça ne servait à rien que je m'intéresse à cette partie là et je suis remonté un peu en amont vers la queue du lac. Et là par contre, ouais, j'ai trouvé pépite, à la fois confortable au niveau du poste et à la fois très 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 intéressant au niveau du secteur à pêcher. J'ai repéré un peu d'activité, quelques sauts, rien d'énormissime, mais voilà, ça me laisse présager des choses plus intéressantes qu'ici. Ici c'est très profond, c'est très encaissé, alors que là-bas on a quand même des secteurs avec des reliefs plus doux et une partie beaucoup plus large. Il faut savoir que le lac est presque à son niveau maximal, donc toutes les parties un peu, les anciennes plaines qui bordaient la rivière de ce secteur-là, sont couvertes d'eau. Donc il y a des peupliers qui sortent un peu partout au milieu des eaux, c'est très joli, et puis ça pue le poisson, donc forcément je vais aller pêcher là-bas demain. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'on a amorcé avec mes enfants avec environ 15 kg d'appât, un mélange de triga de la firme Nutrabait, mon partenaire, et de BFM Krill Cranberry. On a amorcé sur la zone,
sur toute la zone une quinzaine de kilos, sur toute la zone que je veux pêcher. En fait, c'est la fin de ce bras qui est un petit peu, étroit. C'est le début de la grande partie. Donc, je suis vraiment pile poil à ce milieu-là, à cet endroit-là. Et je vais essayer de taper sur les deux côtés, voir ce qui est le plus productif. Donc, c'est à partir de demain vraiment qu'on rentre dans le concret. Je vous embarque avec moi avec la bouteille de plongée. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé sur cet amorçage. Et j'espère en tirer des informations qui vont me permettre normalement de bien aborder ma pêche pour le restant de ces 15 jours qu'on passe normalement ici. On n'est pas à l'abri de changer de secteur suivant le déroulement de la pêche. Voilà. Allez, bon, mais on attaque la session, ça fait malgré les péripéties, bon, on va dire vraiment 24 heures que ça pêche. Et voilà le premier poisson du lac qui j'espère va se laisser manipuler. Hop là. Voilà une belle miroir, très sombre, vraiment un poisson magnifique. J'espère que vous le voyez convenablement avec de beaux reflets dorés. Hop là. Avec de beaux reflets dorés, vraiment le type de poisson que j'aime capturer. J'espère qu'il y aura des grandes sœurs avec ces mêmes robes qui finiront pendues à l'hameçon au cours de la session. Et voilà, on l'a faite juste avant l'orage tout à l'heure. Et bon, je l'ai mise en sac le temps que l'orage passe parce que ça aurait pas été agréable pour les photos et pour les vidéos. Et là, elle va repartir dans son élément. Allez, là on va placer une canne. On va replacer une canne qui était en pleine eau et ça n'a pas bougé depuis 24 heures. Donc j'ai décidé de rajouter une petite pop-up
et d'aller placer ça sur une berge d'en face, enfin sur une partie moins profonde en fait, parce que là il faut savoir que ça tombe à brut direct sur 7 à 12 mètres de profondeur pour les plus grands creux. Et vous voyez, là je viens de faire un 360, on est entre deux berges très abruptes. C'est la dernière soirée sur ce poste. Alors je vous avais dit hier qu'aujourd'hui on changerait de secteur et on irait sur l'amorçage. Mais finalement, l'orage de ce matin m'en a dissuadé. Je préférais, vu que toute la journée il y a eu des passages nuageux comme on peut voir au fond, j'ai préféré jouer sur la tranquillité et attendre que tout le matériel sèche convenablement et ne pas risquer de reprendre la flotte pendant le convoi et remonter en amont sur le poste qui m'intéresse en fait. Sur le poste qui m'intéresse. Attendez, je vérifie là, je regarde un peu en même temps à l'écho ce qui m'intéresse. Et donc ben voilà, j'ai continué l'amorçage. Hein. J'ai continué l'amorçage sur le secteur que j'avais déjà amorcé hier. Et là, j'ai balancé 20 kg avec de la graine, un seau rempli de graines, qui devait aller à peu près 20 kg de graines et 20 kg de bouillettes, si ce n'est pas plus, niveau graines, je ne sais pas, j'ai pas pesé. Et alors, au mélange de graines, beaucoup de micro-graines, du mélange à pigeons, dans lequel j'ai rajouté des cacahuètes et un peu de tiger nuts. Donc, j'ai amorcé ça sur un secteur assez vaste, hein, sur le même secteur qu'hier. Entre les deux, la partie vallonnée et la partie qui ressemble plus à une plaine avec pas mal d'arbres immergés. Et ma foi, ça me met en confiance parce qu'au moins le poisson, voilà, il peut se nourrir tranquillement encore toute la nuit sur ce secteur-là et sans trop être agité par de multiples départs, de multiples combats qui forcément pourraient effrayer le poisson. Je pense mettre encore un peu plus le poisson en confiance et pouvoir démarrer une pêche qui, je l'espère, sera productive à partir de demain. Donc demain on plie, on se lance sur le bief, sur le secteur je veux dire là-bas et ça pourrait être une suite très intéressante pour cette vidéo. Bon voilà, là je suis aux abords d'un chemin, en fait voilà, regardez, hein. Là il y a un chemin derrière moi, là sur le fond, qu'on voit juste derrière les arbres, et il y a un mur, le mur il tombe dans l'eau directement, et là on a deux rochers qui sont devant nous, et je cherche à trouver un petit plateau, allez, 2 mètres carrés, sur lequel je puisse poser mon montage convenablement, puisque c'est sur un peu le même type de poste que j'ai réussi à faire une déroule cette nuit. Voilà. Donc voilà le poste qui m'intéresse, enfin le spot qui m'intéresse. On va placer le montage ici. Oula, non, je crois que je suis pas au bon endroit. Non, il y a trop de profondeur là. Et mince, j'ai oublié de mettre mon PVA. Voilà, là je préfère. On est sur quelque chose de très dur. Et je vais lancer un petit peu d'appât BFM Krill Cranberry, la gamme Freezer Baits. Alors il faut savoir que tous les appâts Nutra Baits sont roulés avec des œufs frais, pour ceux qui s'en inquiéteraient. On va compter sur celle-là pour cette nuit. Et demain, on pliera tout ça à la fraîche, là, de bon matin. Et on ira s'installer sur le nouveau poste et le nouveau secteur. Bon, mais première capture faite hier soir, là. Enfin, faite hier soir, faite dans la nuit. Cette belle commune, dans ce lac où pourtant les miroirs sont majoritaires. Je suis content d'avoir fait ce missile. Elle m'a fait un combat titanesque. Vraiment, c'était un régal.
de la lumière de ma frontale là, de voir ce poisson monter en surface. Mais c'est un poisson qui a déroulé sur un spot que j'ai amorcé dans 3 mètres d'eau, sur un éboulis rocheux en fait. C'est le seul secteur en si faible profondeur, pas trop abrupt, où je pouvais poser mon montage. Et ce spot m'a rapporté 3 poissons. Je suis bien content d'avoir su déterminer ce spot là. Et niveau du spot, je l'ai amorcé à la farine Triga Ice, avec du mix Triga Ice, des bouillettes concassées, un peu de micro-graines. Et pas mal de bouillettes en 20 et 30 mm de la même gamme Triga Ice. Donc ce poisson s'est laissé capturer. Franchement, je suis content. Pour un lac où il y a une moyenne d'environ 12 kg, ben je touche une des plus trapues pour l'instant de ma session, avec une autre belle miroir que je vais vous présenter à l'instant. Bon, on va la laisser repartir. Le deuxième poisson capturé cette nuit, une belle miroir, très combative, qui me met la misère depuis tout à l'heure, elle ne veut pas que je la présente convenablement. On va la relâcher au plus vite, hein. Mais voilà, toujours le même spot, les éboulis rocheux, un peu de farine, 3-4 boules d'amorce, une vingtaine de billes, une bille à 30 mm sur le cheveu, et ça a apporté ce beau spécimen, toujours à la Triga. Vraiment, vraiment agréable comme pêche, vraiment... Vraiment, ça fait plaisir quand on débarque sur ces nouveaux secteurs, de rapidement réussir à capturer du poisson avec tous les capots que j'ai l'habitude de prendre tout au cours de l'année sur les grands lacs. Bon, là, c'est pas vraiment un grand lac, mais c'est quand même un joli barrage d'une bonne distance, et il y a quand même 200 hectares. Faire rapidement du poisson comme ça, c'est vraiment très agréable, quoi. Allez, elle aussi, elle va repartir à l'eau. Hop là. À marrer comme il le faut. Voilà, mais écoutez, pas trop déçu, hein. Franchement, on a passé 2 jours sur ce poste finalement, sur lequel on est tombé dessus un peu par dépit, hein. C'est à dire qu'on n'a pas trop eu le choix en fait, hein. C'est là où le véhicule s'est arrêté, comme je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises. Et finalement, il y a eu ces 3 poissons là. Le deuxième jour, une petite miroir sur un éboulis rocheux qui est juste en face du poste en fait. Et puis ça m'est suivi la troisième nuit de cette commune et de cette belle miroir un peu plus costaud. Non, ça fait réellement plaisir, hein. Ça fait plaisir de tomber sur des poissons comme ça. Donc voilà, bon, mais ces 3 poissons, ça fait super plaisir. C'est une petite pêche au spot, hein, au spot, sans amorçage, sans préparation. Le poisson est quand même rentré. Entre 5 et 4 et 3 mètres d'eau, donc c'est un bon présage pour la suite, hein, puisque là on remonte en amont du lac dans des parties moins profondes avec le même contexte. Sur la gauche du poste, on a le même contexte qu'ici, c'est-à-dire des berges rapprochées l'une de l'autre, avec de grosses profondeurs au milieu du secteur. Et sur la droite, là-bas, par contre, on a une plaine vraiment dégagée que vous allez voir à notre arrivée. C'est la plaine que j'ai amorcée hier soir. Hein. Et j'espère qu'on va pouvoir s'amuser et que l'amorçage aura porté ses fruits. Donc, alors là, je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai pas mal de choses à faire. Donc, je ne sais pas si je vais plonger ce soir pour aller repérer où en est l'amorçage. Je vais essayer de voir ça. Je vais essayer de voir si je peux... avoir quelques informations en subaquatique dès aujourd'hui pour pouvoir démarrer la pêche convenablement, mais enfin, je vais faire le maximum pour que ça soit le cas en tout cas. Thank you.
y est, ça démarre. Enfin installé. Enfin installé, pas tout à fait, mais on est arrivé sur le secteur convoité là depuis 48 heures que j'amorçais, que je préparais. Donc ça y est, on y est arrivé. Là, je vais partir de suite en plongée avant que le soleil tombe de trop pour profiter de la luminosité maximale et avoir un bon rendu des fonds. Un bon rendu des fonds et un aperçu, j'espère, de mon amorçage ou des traces qui démontreraient que le poisson s'est alimenté. Et j'espère, à travers les traces, reconnaître si c'est plutôt de la carpe ou du poisson blanc ou suivant le diamètre des cratères qui seraient éventuellement sur les fonds. Donc on part à la découverte on part à la découverte derrière le miroir en fait, voilà tout simplement. C'est la déception, on voit que dalle, mis à part que c'est très troublé sur la dernière couche. À mon avis, ça témoigne de la présence de poissons qui n'arrêtent pas de naviguer, chercher, fouiller. Avec tout ce que j'ai mis hier, bon, sur en collant vraiment le visage sur le fond, j'apercevais un petit peu le substrat et pas une trace de mes appâts, rien du tout, très troublé. Je pense que les poissons sont en pleine activité sur le secteur et forcément remue tout le fond et c'est pas évident à voir ce qui s'y passe quoi. C'est parti pour la deuxième partie et cette fois-ci j'espère qu'on va, enchaîner un peu plus les poissons de journée pour pouvoir en tirer de belles images. La plus grosse capturée. Pour l'instant, alors elle a défoncé l'amorçage au niveau des graines, vraiment j'avais de la graine dans tous les sens dans le tapis de conservation. C'est l'avantage du tapis, ça permet de voir ce qu'elles ont mangé, bien que c'est pas l'idéal de tout le temps les mettre longtemps dans ce genre de tapis, mais vraiment cette nuit ça a été un régal. Et puis là, cette journée orageuse, se réveiller avec cette journée orageuse et faire des belles photos sombres avec des robes aussi sombres de ces poissons, c'est vraiment, ça va grandement alimenter l'album photo. Allez, quelques photos et on va la laisser repartir.
Allez, la 15e prise, attrapée à l'instant là. Au réveil, je dormais encore, j'avais pas reposé les cannes cette nuit. J'ai dû faire 5 poissons dans la nuit, ça c'est le 6e. Une belle miroir combative comme vous avez pu le voir. Une belle robe, magnifique. C'est un vrai régal, les poissons de ce lac c'est un vrai régal. Ils sont pas énormes, pour l'instant je suis pas tombé sur les grosses mémères. Mais le peu de poissons que j'ai vu vraiment, vraiment m'ont fait plaisir. Enfin le peu, je suis déjà à 15 poissons, je vais pas me plaindre. Pour une première fois sur ce plan d'eau, sur ce lac, qui fait quand même 200 hectares, c'est quand même déjà, c'est déjà une petite victoire. Allez, on va la remettre à l'eau. Ciao. Ben voilà, un poisson capturé encore au cours de la nuit. Une autre capture de la nuit. Alors celle-là, elle m'a donné pas mal d'informations hein, sur son alimentation. Alors elle a recraché très peu de bouillettes. Hein. Par contre, elle m'a laissé beaucoup de graines dans le sac de conservation. Donc ça m'a permis d'adapter mon amorçage. J'avais négligé les graines jusqu'à présent, bien que j'en avais en bonne quantité. J'ai environ 100 kg de graines cuites. Donc j'ai décidé d'alimenter un peu plus alors mes spots, les concentrer plus en bouillettes. Mais amorcer large avec les graines, pas pour attirer ce type de poisson justement, pour essayer de les faire manger de façon vaste, parce que j'ai remarqué que quand même les gros poissons répondaient bien, enfin les plus grosses que j'ai attrapées pour l'instant répondaient bien aux bouillettes. Donc j'ai mis de la trigaïs en 30 mm, en fait j'ai mis deux 30 mm sur le cheveu, une trigaïs et une BFM Krill Cranberry. Donc j'ai amorcé large à la graine pour essayer d'éloigner le plus possible de mon spot ces petits sujets et faire venir les plus gros sujets sur le spot amorcé à la bouillette. Et on verra je m'adapte au fur et à mesure de cette session parce que je connais pas le comportement du cheptel. C'est la première fois que j'y pêche comme je vous ai dit, mais il me reste encore près de 10 jours, enfin un peu moins, 8 jours pour apprendre sur les mœurs du poisson présent dans ce barrage. Et on verra si la deuxième nuit m'apporte plus de résultats. Pour l'instant, un des plus beaux spécimens à capturer. Bon, pas énormissime, ça fait 13 kilos. Hein, 13 kilos, mais elles paraissent plus grosses parce qu'elles sont vachement longues, quoi. Vachement longue, mais pas forcément très ventrue comme vous le voyez. Mais c'est des gladiatrices, hein. Vraiment. Je me régale. Elle aussi capturée sur deux billes en 30 mm. La seule commune de cette nuit. C'est la deuxième commune depuis le début. Hein. Je crois que j'en ai fait aussi une petite, mais que je l'avais décrochée, laissé repartir aussitôt. Mais encore un poisson capturé sur des billes en 30 mm. Elles n'arrêtent pas. J'ai pas reposé les cannes, j'étais fatigué, j'en pouvais plus. Ce matin encore, à 10h du mat, j'ai eu le dernier départ là, mais devant, là où je me trouve, là, à 2 mètres du bord. Mais bon, la journée, les enfants se baignent, donc je les laisse profiter. Et malheureusement. Forcément, je peux pas savoir si la journée, ça déroule sur ce poste. Mais quoi qu'il arrive, voilà, la nuit est bien chargée en poissons. Au pire, je dormirai la journée, je pêcherai la nuit si ça continue, parce que en ce moment, je passe à côté de beaucoup de poissons parce que je replace pas les cannes, quoi. C'est ça le truc, mais bon, au final, 5 ou 6 poissons cette nuit, c'est déjà énorme. Allez. Bon, ben là, on va rechercher des spots. Des spots intéressants pour pêcher, mais pour que ça pêche au moins cette partie de la journée et que ça pêche cette nuit. À l'aide de l'écho que j'ai devant moi là, j'essaye de repérer des zones intéressantes. Bon, pour que vous le voyez là en fait, entre les deux berges, il doit y avoir 30 mètres grand maximum, 30-35 peut-être, à vue d'œil. Si vous voyez l'écho-sondeur, mais grosso modo là on est sur le mur, le début du mur,
paf, je vais avancer à vitesse un peu rapide et vous allez voir, ça descend à brut quoi. Ça descend à brut. On est déjà dans 8 mètres. 8 mètres, 8 mètres, paf. Là, il y a un petit tombant, ça remonte un petit peu. Ça remonte un petit peu. Et c'est stable. C'est stable à 7,50 m. 7,50 m, c'est stable. Et ça va remonter pour l'autre berge. Donc ça, c'est des profondeurs que, dans lesquelles je ne suis pas, extrêmement fan. Je ne suis pas extrêmement fan de ces profondeurs. Donc je vais aller chercher, un spot plus dans les 4-5 mètres. Quoi. Je pense que c'est ce qui sera le plus apte à m'apporter, des résultats. Quoi. Alors j'ai repéré des arbres immergés. J'ai bon espoir d'y trouver un plateau plus intéressant à pêcher. On verra bien une fois que j'y serai installé. Quoi. Je vois des gars au carnat qui arrivent. Je fais juste attention à ma canne, qu'ils n'aillent pas me prendre le fil. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude des carpistes ici. Et donc ouais, voilà, là déjà, normalement j'étais censé être sur le lit, mais je vois que c'est déjà en train de remonter. Je suis pourtant loin de la berge. On est déjà à 7,50. Non, 5 mètres plutôt, 5 mètres 6. Et le plateau a l'air bien plus en pente douce quoi. Ça a l'air beaucoup plus intéressant. Pour installer les montages, là, ça me plaît. Ah mais le plateau est bien large en fait. Je l'imaginais beaucoup moins large. Je pense que ça va être intéressant ça. Bonjour. Bonjour. Ah, un petit peu le matin. Après en pleine journée comme ça non, hein. Ça bouge pas. Ah vous arrivez. Ah hier il y en avait qui faisaient des petits cendres comme ça, mais vous êtes au leurre. D'accord, ok. Bon ben on espère que ça va marcher pour vous. Ouais, bon, c'est déjà ça. C'est ça. Bon, ben écoutez, là, du coup, ouais, ben le plateau en fait, il est beaucoup plus large que je le pensais. Les arbres morts dont je vous parlais, c'est ceux qui sont derrière moi. C'est ceux-là. Voilà. J'ai d'ailleurs mis un repère, hein, un repère carpe spot, qui me permet en pleine nuit de retrouver mon spot assez facilement. Voilà, c'est ce type de repère en fait. Vous l'installez sur une branche, sur votre cassin, ça vous permet de le retrouver facilement. Et oui, c'est moi qui l'ai mis pour retrouver mon spot. Et du coup, là, je vais essayer de déterminer la largeur de ce plateau. Ah ouais, mais il y a plein soleil dessus. Bon, on mettra des captures d'écran pour que vous puissiez vous en rendre compte un peu mieux. Mais ouais, le plateau, il a l'air vachement dégagé, quoi. On est sur du plat, et à partir d'où il commence à redescendre. C'est ça que j'aimerais savoir pour adapter ma pêche dès ce soir, quoi. Là, il semblerait qu'il y ait quelque chose. Peut-être un arbre, je suis pas sûr. On est toujours dans 5 mètres. Pourtant, on est loin du bord. Ah, le plateau continue. J'accélère un peu plus histoire de déterminer bien le tombant en fait. J'aimerais bien pêcher sur cette marche avant de tomber dans le tombant directement quoi. Voilà, ça commence à descendre. D'accord, ça commence à descendre à partir d'ici. Donc ce que je vais essayer de savoir maintenant, c'est où s'arrête ce plateau. Donc j'y reviens, je reviens sur ce plateau. Voilà, là on est sur la marche, parfait, on remonte dans les 5 mètres et là je vais essayer de voir, mais parce que le plateau ne longeait pas la berge, j'avais de suite des profondeurs à brut sur la berge de droite et là je voulais voir si c'est exactement la même chose. Pour l'instant on reste sur 5 mètres et là ça descend, donc la limite, le repère visuel que je vais prendre en fait, c'est cet arbre.
Je sais que le plateau commence à s'arrêter au niveau de cet arbre là-bas. Donc j'ai tout ce plateau qui est largement pêchable. C'est un très très bon spot, ça me plaît beaucoup. En fait voilà, on a la berge caillouteuse. On a ce plateau en dessous qui fait une petite terrasse sur 3-4 mètres de large. Et puis on reprend le lit de la rivière jusqu'à l'autre berge, la berge où je suis posté. Hop là. Voilà, voilà, ça c'est bon, c'est installé. Et maintenant, je passe sur les krill cranberry en 20 mm. Alors, j'aime pas amorcer en 30, hein. Même si je pêche en 30 mm, le 30 mm pour moi c'est uniquement de l'échage. Je préfère avoir une zone amorcée plus vaste. C'est-à-dire, il faut savoir que 5 kg de 30 mm, ça aura beaucoup moins de pouvoir ça couvrira moins de surface que des billes en 20 ou en 15 mm. Alors je suis pas descendu en 15 parce que y a pas mal de poissons blancs et de gardons. Je suis resté sur du 20 pour essayer de limiter l'intérêt des poissons blancs à mes montages, quoi. Voilà, le premier spot est amorcé. Alors vous avez vu une cinquantaine de billettes, des grosses poignées, hein. Je les igne pas, il y a beaucoup de monde sous l'eau. Vous le savez, ça a été amorcé 48 heures pendant 48 heures avant que je m'installe sur ce spot avec pas loin de 50 kg d'appât en deux jours. Et regardez, ça porte ses fruits. Hein. J'en suis au 15e poisson. J'en suis au 15e poisson, donc c'est pas trop mal, quoi. Super poisson, très combatif, que j'ai réussi à extirper des obstacles. Je sais pas comment j'ai fait, mais je suis super content parce que quand je l'ai eu dans l'épuisette, je vous raconte pas ma joie. Hop là.
c'est le poisson que j'aurais dû rater au moins 15 fois et qui est rentré dans l'épuisette et qui est aussi le plus gros de toute la session. Hop là. On va pas la perdre, enfin, j'espère. Hop là. Vous la voyez peut-être pas comme il faut, mais c'est un poisson très massif par rapport à la moyenne des poissons capturés jusqu'à présent. Hop là. Oula, j'ai stressé là. J'ai pas encore fait les photos. On va la laisser de ce côté comme ça si on a un espoir de la rattraper.
la 40e à peu près. Allez, on va replacer la canne avant la tombée de la nuit. Ça a encore déroulé pas mal aujourd'hui, enfin pas mal. J'ai fait 3 poissons de journée, c'est quand même pas mal pour moi. Hein. De toucher du poisson en journée, en général c'est la nuit. La nuit a été calme par contre. Et tant mieux, ça m'a permis de dormir un petit peu. Parce qu'à chaque fois, je pars sur les combats et puis au bout d'un moment, je suis fatigué, je ne repose pas les cannes. Mais là, aujourd'hui, il a fallu s'adapter. Hein. Il a fallu s'adapter, regarder un petit peu qu'est-ce qui restait au niveau des appâts. Et par rapport au jour restant, on est pile poil à la moitié, il me reste 7 jours à pêcher encore. Donc j'ai vu que mon stock d'appât a fortement chuté. Il faut dire que je suis à peu près 40 poissons. Hein. 40 poissons dont la 40e que je viens de faire à l'instant à peu près. Quoi. À un ou deux poissons près, j'ai pas tout. J'ai compté par tranche de 5 poissons, on va dire. Je ne suis pas exactement précis, c'est peut-être 39, c'est peut-être 41. Mais voilà. Du coup ça a consommé plus que... attendez, 40 poissons dans l'épuisette hein. Après j'ai eu des décroches, j'ai eu malheureusement deux casses, c'est bourré d'obstacles, mais ça va, dans l'affaire je m'en sors bien, j'ai dû avoir deux casses sur 40 fiches, c'est pas trop mal. Donc je vais alimenter le spot là, je pars alimenter le spot pour continuer la pêche. Il n'y a que cette canne qui déroule majoritairement, j'en mettrai pas une deuxième. Parce que le secteur, comme vous le voyez, on va faire un petit 360. Le secteur est blindé d'obstacles en tout genre. Hein. J'ai des arbres dans tous les sens à 360 degrés. Donc je suis obligé de calculer vraiment ma dépose sur le tombant. Alors il y a un plateau, mais le plateau, là, tout ce qu'il y a derrière moi, c'est des profondeurs environ à 5 mètres. Et tout ce qu'il y a dans le bras qui va vers le barrage, c'est des profondeurs de 7 à 12 mètres. Et là, vraiment, on se situe au milieu entre ces deux zones. Et faut savoir que le lit de la rivière longe cette berge. Donc, il y a une petite marche juste entre cette berge et là où je me trouve, où je place mon montage de sorte à ce que le poisson, plutôt qu'il parte vers les arbres, descende dans les profondeurs en cas de capture. Bon, c'est pas toujours le cas. Hein. D'ailleurs, c'est rarement le cas. Mais... depuis que j'ai opté pour cette stratégie dans ma dépose, mais j'ai compté beaucoup moins de poissons, de combats à risque en fait, on va dire. Sinon, j'ai fait le bilan sur mes appâts. Le truc, c'est qu'il me reste environ 70 kg de billes. Ça paraît énorme pour les gens qui pêchent les gravières, qui pêchent au spot ou qui n'ont pas l'habitude des ALT ou des pêches... En lac ou en barrage, mais là le poisson il est super gourmand, il répond vachement bien. C'est pas du petit poisson non plus, c'est quand même une moyenne de 13 kg, donc c'est des poissons quand même qui ont un certain appétit. Que c'est pas évident de les gaver, hein. C'est pas évident de les gaver pour espérer sélectionner que les grosses. Il faudrait des quantités monstres pour espérer faire ça, et encore je suis même pas sûr qu'on y arrive parce qu'il y a une forte densité de poissons sur ce lac. Et donc là, cet après-midi, j'ai fait le bilan de mon stock pour essayer de proportionner un petit peu, rationner mes amorçages pour finir les 7 jours. Quoi. J'habite à 3 heures de route, donc 3 heures de route pour aller chercher éventuellement ce que j'ai dans le congélateur qui me reste, hein, un Triga Ice ou un BFM Krill Cranberry, ça serait perdre une journée complète quasiment. J'ai ni les moyens ni l'envie, donc je vais rationner avec ce qui me reste. Quitte à partir peut-être un peu plus tôt, ça permettra de rentrer à la maison un peu plus tôt et peut-être d'aller faire une petite pêche sur les barrages autour de chez moi pour finir les vacances. Mais bon, pour l'instant, on est parti pour 7 jours, donc je vais amorcer en fonction. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de jouer grave sur les particules. J'ai rempli un seau que voici là. J'ai rempli un seau comme celui-ci. De farine, alors j'avais pas beaucoup de farine de mon partenaire Nutrabaits, donc j'ai pris des farines un peu pauvres, hein, des farines un peu pauvres qui me servent à combler et à couper et à donner du volume, des farines vraiment pas chères de chez Decat, et du coup j'ai coupé ces farines avec les farines Nutrabaits que j'ai, avec du mix, avec des billes concassées, avec des micro-graines, avec des graines du mélange à pigeon qui était déjà parfumé avec le booster Triga, et j'ai aussi
dans ce mélange, j'ai aussi rajouté du maïs doux et pas mal des Tiger Nuts et le liquide de mes Tiger Nuts. J'ai fait un gros mélange cet après-midi. Donc c'est ce que je vais utiliser en principal pour amorcer ce soir. Après, concernant les bouillettes, il me restait deux recettes différentes. Donc j'ai décidé de couper en deux les bouillettes. Pour avoir le plus de surface possible. J'utilisais à chaque fois que je reposais une canne, environ deux pelletés comme ci, deux trois pelletés comme ceci autour de mon montage en bouillette. Je vais continuer la même quantité de pelles, sauf que là c'est des bouillettes coupées en deux. Donc au final il y aura moins de quantité, mais il y aura plus d'espace, moins de quantité en appât, mais plus d'espace pris en compte. Ce que je veux, c'est vraiment faire chercher le poisson et garder le poisson le plus longtemps sur le spot. Et à chaque fois aussi, je vais balancer une ou deux pelletées de mélange à pigeon, en plus des farines. Donc là, je suis sur le secteur. Je fais juste attention à l'alignement parce que j'ai un arbre entre moi et le poste qui est gênant, bon, qui m'a jamais gêné parce que je l'ai pris en considération dès le début. Il ne m'a pas gêné lors de mes combats, mais il a fallu que je le prenne en considération pour bien aligner mes cannes en fonction de celui-ci. Alors sur la berge là-bas, peut-être vous voyez un repère orange fluo. C'est les gilets de sauvetage de mon fils qui ont des bandes réfléchissantes en fait, qui me permettent la nuit de retrouver mon poste à une longue distance sans devoir allumer des lumières. Juste avec la lumière de la frontale, ça réfléchit assez pour que je puisse retrouver le spot. Et ça me permet de connaître l'alignement à prendre pour ne pas avoir la bannière qui vienne frotter contre l'arbre, quoi. Que ce soit dans le combat, lors du départ ou avec le vent. Donc là je suis pile poil sur le spot que je pêche depuis déjà 5 jours, qui est le plus productif, et c'est le spot qui me rapporte le plus de poissons. Et je vais continuer avec mon montage, j'ai rien changé, hein. Un plomb en 300 grammes, une petite olivette en 10 grammes, un bas de ligne en 80 centièmes slivé avec des sleeves de 2 mm, un petit bas de ligne en 13 souples, Bikade Point, non, ça c'est les hameçons, les noms anglais j'ai du mal, Ridge Monkey, c'est du 50 livres, c'est du 50 livres, 22 kg à peu près, c'est très solide. En plus elle est... on va dire qu'elle n'est pas souple, elle est semi-rigide ou semi-souple. Et vraiment, j'en suis particulièrement satisfait. C'est la première pêche que je fais avec ces produits-là. Après, un petit œillet blowback pour éviter le recrachement. Un hameçon Bikade Point Ridge Monkey en taille 2. Et toujours une bille. Là, j'ai réduit un peu la grosseur de mes billes, j'utilisais des billes en 30 mm jusqu'à présent, mais là je suis passé sur une bille en 20 mm et une bille en 30 mm. La bille du dessus c'est BFM Creed Cranberry et la bille du dessous c'est du Triga. J'ai mélangé toutes mes bouillettes en les coupant en deux pour justement conserver un peu de quantité lors de mes amorçages, et je vais compenser avec les farines qui vont faire fouiller les poissons le plus longtemps possible sur le spot, comme un certain Pascal Kowalik nous l'a démontré avec sa très belle et très bonne vidéo, très enrichissante et pédagogique, qu'il a réalisée à la fin de l'hiver, là, si mes souvenirs sont bons, pour mon Luçon 2017. Donc, je n'ai aucun lien avec Pascal, mais quand il y a des gens qui font du travail qui nous donne pas mal d'informations, mais il faut aussi le mentionner, même si on ne fait pas partie des mêmes équipes, même si on ne se connaît pas, ma foi, on ne se connaît que de Facebook. On est ensemble dans... C'est un de mes partenaires Carp Crossing, tout de même, de l'équipe Carp Crossing. Mais voilà, il a fait du bon boulot, il nous a démontré l'efficacité des farines, donc c'est pour ça que je me permets de mentionner son nom. Et même si certains ne le découvraient pas, connaissaient les facultés des farines à garder un poisson sur un spot. Moi, je fais partie de ces gens qui connaissent ça un petit peu par mon expérience de la pêche au cou et de la pêche à l'anglaise que j'ai longtemps pratiquée, étant plus jeune. Mais Pascal l'a montré en image, donc montrer en image, c'est pas juste du blabla, c'est pas juste des suppositions. Voilà. Donc bon, je vais poser cette canne sur le spot que je vous disais, là, j'ai un peu dérivé.
Alors j'ai un repère visuel qui est un tronc qui ressort sur ma droite et mon repère carp spot que vous voyez sortir de l'eau derrière moi là-bas, qui va s'allumer, qui va pas tarder à s'allumer avec la luminosité qui descend. Et mon spot, c'est mes repères visuels. J'ai fait un petit X entre l'arbre où j'ai ma pique, mon repère carp spot là-bas et l'arbre immergé. C'est ici que je dois poser. Alors merde, j'ai oublié de mettre mon PVA. Hop là. Oui, un PVA pour moi c'est obligatoire. Hein. C'est obligatoire. Dans le sens où j'ai pas envie de piquer une feuille morte, j'ai pas envie de piquer un truc au fond qui rendrait mon montage inopérant. On est là des fois pour 24-48 heures. Là moi ça fait 2 semaines. Bon, le montage il va pas rester plus de 24 heures sous l'eau sans que je le vérifie. Mais voilà, c'est une façon de poser son montage. En limitant au maximum l'emmêlement, surtout que j'utilise un montage prépiquage comme vous l'avez vu, qui est sujet à pas mal de nœuds sans le lester avec un PVA. Le PVA est rempli de billes écrasées broyées. Triga. Là, je cherche mes mots, désolé, je réfléchis à autre chose. C'est broyé avec, vous savez, je vous le montrerai avec le broyeur Ridge Monkey. C'est mes enfants qui les ont broyés. C'est vraiment un produit fantastique. Hein. Quand on sait le temps que ça prend de cruncher des bouillettes avec les grinders habituels, cette manivelle-là, c'est vraiment un bijou. Donc voilà, j'ai balancé à peu près, comme vous l'avez vu, 3 poignées de façon éparse. Voilà. Sur une surface d'environ 30 mètres carrés. Et maintenant, pareil, une ou deux petites pelles de mélange à pigeon que voici. Là aussi, rien de bien précis. Je veux faire chercher le poisson le plus longtemps possible. Et je vous parlais de la farine, de l'amorce que j'avais passé un bon moment à préparer. Et malheureusement, je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas pris dans mon bateau. Donc je vais aller poser cette canne sur la pique et comme je connais parfaitement le poste, je vais revenir amorcer quelques boules d'amorce avec. Je vais poser la canne et aller rechercher des boules d'amorce. Tout simplement pour les mettre sur mon spot. Alors, c'est parti. J'ouvre le pick-up parce que j'avais tendance à faire comme mon ami Samir Senadji. À ouvrir le frein et laisser dévider, mais j'ai constaté que même la tresse, certains me l'avaient dit à plusieurs reprises, mais je pensais pas que ça avait autant d'impact, mais même la tresse se vrille et ça la fragilise. Donc maintenant j'ouvre le pick-up, je garde mon fil pincé entre deux doigts, je tiens la canne dans sa partie équilibrée, comme ça j'ai pas à forcer, et je reviens tranquillement. C'est pour la petite partie pédagogique. Je prétends pas apprendre quoi que ce soit, qui que ce soit, mais il y a des pêcheurs qui découvrent aussi peut-être la pêche à travers les vidéos qu'on fait. Et ça s'adresse aussi à eux. On ne fait pas des vidéos pour expliquer la pêche aux experts de Montluçon. En tout cas, vraiment un régal. Régal, vraiment de la régalade. De la régalade à 100%, un lac magnifique, un cadre idéal, un poste confortable comme on ne peut pas en espérer mieux, avec les enfants, ma femme, vraiment des vacances magnifiques. L'an dernier, j'avais passé des vacances très très agréables sur un autre lac, mais malheureusement, le poisson n'était pas au rendez-vous. Cette fois-ci, il y a tout qui s'enchaîne, c'est le top. J'espère que cette deuxième semaine va être aussi productive, et j'espère cette fois-ci toucher peut-être un des quelques gros poissons qui nagent dans ce lac. Allez, on arrive, on accoste. J'ai quand même touché un poisson de 14 et 18 kg. C'est déjà super bien, mais c'est vrai que j'aimerais toucher plus costaud. Hop là.
une belle miroir comme vous pouvez le voir. Les poissons combatifs, hein, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir ce type de poisson. Hein. Toute la journée, ça déroule en journée. Ça n'a pas déroulé cette nuit par contre. Mais je me suis rendu compte que mes montages n'avaient plus rien sur le cheveu. Donc du coup, je pense que les écrevisses s'en sont chargées ou qu'il y a eu une couille, je sais pas. Peut-être un départ qui ne s'est pas senti. Mais en tout cas, voilà, j'ai remis les échasses tout à l'heure et ça repart aussitôt. Allez, elle va repartir à l'eau, une petite photo. Et on la laisse repartir. Hop là. Avant la tombée de la nuit, petite miroir, petite mimi qu'on va relâcher, qu'on va s'empresser de remettre à l'eau. Elle est trop belle. Deuxième fois que je fais ce poisson dans la session. Ma fille qui veut pas dormir. Ça sort. Elle te gêne pour la vidéo? Non, c'est bon. Je ne mettrai pas dessous. Oula, c'est trop éclairé là. Éclairé, voilà, et voilà comme ça. On va la remettre à l'eau, on l'a déjà prise en photo. Ça. Bon, ça y est, ça fait 10 jours qu'on est sur le lac à présent, 7 jours sur ce poste. Bon, ce que j'avais prévu à la base avec mon amorçage qui a été mis en place, c'était de faire venir le poisson rapidement, ça a marché. Dès notre arrivée, ça a déroulé dans tous les sens. Hein. J'ai dû faire... Mais sur 50 poissons, j'en ai fait que 3 sur l'autre poste. Tout le reste a été fait ici. Et 80% de mes poissons ont été faits dans la partie là-bas. D'ailleurs, il n'y a qu'une canne qui pêche entre ces arbres là-bas. Je me suis bien amusé pendant 4-5 jours. Et là, depuis 48 heures, ça vient de se calmer. J'arrive à faire 2-3 poissons par jour, surtout la nuit et principalement devant mon poste. Par contre, là-bas, ça s'est beaucoup calmé. J'ai peut-être mis un peu les poissons en méfiance. Et puis, la baisse des quantités des appâts, ça a peut-être été une erreur. C'est-à-dire que j'avais amorcé 40 kilos. Chaque jour, je présentais des spots de 10-15 mètres carrés avec 500 grammes d'appât, et j'aurais dû avoir un petit peu la main plus lourde et amorcer plus largement pour garder le poisson, mais je ne l'ai pas fait, donc c'est peut-être ça mon erreur. Et aussi c'est le fait que pendant les 5 premiers jours arrivés sur ce poste, on avait orage sur orage, donc ça a aidé grandement au niveau de la mise en appétit des poissons. Donc là ça s'est calmé, donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de laisser poser pendant 48 heures, voir si j'arrivais à quand même toucher des poissons peut-être un peu plus gros. Ça n'a pas été le cas. Au contraire, j'ai retouché des poissons 2 fois. Une commune et une des plus belles miroirs que j'ai fait au début, je l'ai rechopé 1 fois. Donc j'ai pas fait de gros poissons. Le dernier gros poisson, ça a été la 18 kg que je vous ai présenté il y a quelques jours. Et sinon, depuis, c'est vachement calme, quoi. Donc, enfin, depuis ces 2 jours, c'est calme. Donc ce que j'ai décidé, c'est de tenter le tout pour le tout.
Il me reste 4 jours de pêche, donc j'ai pris environ 40 kg d'appât. La moitié des appâts qui me restaient à peu près, il me restait environ 70 kg de billes et une trentaine de kilos de graines et de pellets. Donc j'ai pris la moitié, j'ai tout bazardé dans la journée d'aujourd'hui avec mon fils. On a bazardé tout sur la zone là-bas et devant le poste, vu que ça déroule. Ça déroule souvent ici actuellement. Et j'espère que ce coup de poker va faire que... Enfin, ce n'est pas qu'une espérance, c'est quand même une intuition technique, dans le sens où le poisson... est présent puisqu'il y a des sauts toute la journée, donc je suis pas en train de faire à l'aveuglette, hein. Je pense réellement que c'est la meilleure stratégie à adopter à ce moment-là, relancer la machine, surtout qu'ils annoncent un orage dans 48 heures. Donc est-ce que cet orage et la baisse des pressions va relancer la procédure? J'espère bien. Et j'avais cette peur que le poisson soit redescendu vers le barrage, parce qu'il y a des collègues, un gars qui pêche dans le secteur, qui m'a contacté à travers les réseaux sociaux et qui m'a dit qu'au milieu du lac, les gars touchaient pas mal de poissons dans 15 mètres d'eau, alors que c'est une zone beaucoup plus profonde. J'avais peur justement que ce poisson soit redescendu d'ici plus vers là-bas. Je pense qu'il a commencé son chemin vers là-bas, mais il reste quand même du monde ici, vu les sauts qu'on a toute la journée et que j'entends la nuit. La nuit, ça claque dans tous les sens, donc il y a encore de la présence. Alors, est-ce que les gros poissons sont restés ici? Ça, je ne peux pas le savoir. Même si je fais de la touche, ce n'est pas forcément les plus grosses que je vais capter. Mais j'ai bonne espérance de continuer à faire de la déroule. Et puis, je ne me vois pas changer de poste. La famille est au confort ici. Ça serait bête de changer de secteur et d'atterrir sur une zone où mes enfants pourraient moins s'amuser, alors que moi, ça y est, niveau halieutique, je me suis régalé. C'est sûr que si j'avais été seul, j'aurais été beaucoup plus mobile, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, donc on va s'adapter à cette situation et je vais faire en sorte de continuer sur ce secteur et essayer de relancer tactiquement l'appétit des poissons sur cette zone-là. Mais bon, il est vrai que si j'avais été seul, j'aurais peut-être changé de poste. Mais quoi qu'il arrive, il n'y a aucun regret dans ce que je dis. C'est juste que j'arrive à quand même faire 2-3 poissons hein, par jour depuis ces 48 heures. Mais quand même, j'étais habitué à une cadence beaucoup plus soutenue. Je ne replaçais pas les cannes à la fin de la nuit. Et je suis quand même arrivé à faire une cinquantaine de poissons. Donc si j'avais eu le sommeil... Un peu moins demandeur, je veux dire, si j'étais pas si fatigué, j'aurais certainement pu rajouter une bonne dizaine ou vingtaine de poissons, vu que chaque nuit j'ai le dernier tiers de la nuit, j'ai pas replacé les cannes à chaque fois, quoi. Je suis allé me coucher et j'ai remis les couvercles à partir du lever du soleil, quoi, quand je me réveillais. Donc voilà, maintenant on va se poser tranquillement, on va aller manger. C'est l'avantage aussi de pêcher en famille. La femme qui te fait le repas, les enfants qui font la vaisselle ou qui te coupent les bouillettes en deux. Non, c'est l'idéal quand tu pêches seul, hein, t'as pas droit à tout ça, tu es dans ta merde. Quand t'as faim, tu dois faire à manger. S'il y a un poisson et que t'as la casserole qui chauffe, eh bien, soit tu laisses tout cramer, soit tu laisses le poisson. Enfin bref, ah, je plaisante parce que ma femme, je rigole parce que ma femme est derrière l'appareil, elle me fait... Elle me fait des signes, je crois que je vais manger des pâtes ce soir. Bon, mais sinon c'est bon, la session arrive un peu à sa fin. Il reste 4 jours quand même, c'est pas rien. On va essayer de s'adapter à ça. Et voilà, de toute façon, le cadre, ne serait-ce que le cadre, c'est quand même grandiose, c'est un régal. On s'ennuie pas, quoi. On s'ennuie pas, on passe les journées à se baigner. Il n'y a pas de passage, il n'y a pas de gens. On se sent seul au monde, et ça c'est excellent, surtout pour nous qui aimons bien être dans notre petite bulle, quoi, ne pas être dérangé, ne pas déranger les gens et ne pas être dérangé non plus. Et ici, vraiment excellent. Bon, allez, on va aller se poser, on va aller mettre les pieds sous la table, voilà.
un poisson attendu toute la journée. Ça n'avait pas mordu depuis mon amorçage, il n'y a rien qui s'était déclenché depuis hier, l'amorçage d'hier, rien dans la nuit, rien dans la journée, j'avais peur d'avoir flingué le coup. Bon, enfin, j'avais peur entre guillemets, je savais qu'il fallait attendre minimum 24 heures pour vraiment voir les effets de l'amorçage. Alors j'espère que c'est qu'un prémisse d'autres choses, mais déjà ce premier poisson, une belle de thon, magnifique. Et un poisson que j'ai failli ne pas avoir, hein, parce que la bannière s'était bloquée dans une branche au ras du fond. Et heureusement que j'avais le multipot stick avec le push line dans le bateau, qui m'a permis en fait de venir fragiliser la branche. Comme vous l'avez vu, j'ai planté la perche dans l'eau et ça m'a permis de fragiliser la branche. Après j'ai tiré un peu sur la bannière sans trop savoir comment ça allait se dérouler. J'allais faire plusieurs essais de toute façon. Et là j'ai ressenti le contact avec le poisson. Et j'ai vu entre deux eaux cette belle de thon monter de ce côté-là et me montrer ses couleurs. Comme vous la voyez là. C'est un poisson pas énorme. Hein. C'est pas un poisson énorme. Elle n'a pas trop de ventre, mais elle est bien large. Et puis sa robe, c'est un petit bijou quoi. Donc je suis super super content. Puis c'est un poisson de barrage, tout simplement. Voilà. Le poids devient secondaire avec ce type de capture. Par contre de ce côté, voilà, son côté de thon n'est quasiment pas perceptible. Par contre de l'autre côté, on le voit clairement. Bon, je vais passer à la séance photo avant qu'elle reprenne trop de force et qu'elle me fasse galérer. Et on va la relâcher, on va la laisser repartir. Je pense même que je vais piquer une tête avec elle pour essayer de la filmer, lors du départ. Allez, je vous la présente une dernière fois parce que j'ai tellement parlé que je sais même pas si je vous l'ai présenté convenablement. Hop, punaise. Allez, elle va pas me laisser faire. Elle n'aime pas sortir de l'eau. Hop là. Allez, la voilà la belle. Comme ça, que vous voyez bien les deux tons. Ah non, là, je suis content. Quand je suis content comme ça, c'est vraiment que la pêche était devenue un peu plus difficile. Et capturer ce poisson pépite, c'est un réel plaisir. Capturé, deuxième poisson capturé de la journée après l'amorçage d'hier. Mais c'est une deux temps encore. C'est la même? Non, c'est pas la même. Non, c'est une deux temps. Oh, c'est la soirée des deux temps. Non, c'est pas la même. Non, elle avait pas, c'était un petit impact là. Si. Non, c'est sûr, c'est pas la même. Mais une deux temps encore. Je vais en enchaîner deux. Hop là. Alors là, une petite boule. Éclaire pas dessus. Enlève le flash, la puissance. Voilà, mets l'autre encore. Voilà là. Okay. Je viens de découvrir la deuxième deux tons d'affilée, deux tons à l'instant. La deuxième, bon, celle-là, elle est un peu plus petite, un peu plus bossue aussi. c'est... Je suis choqué, je viens de le découvrir à l'instant, je ne l'avais pas vu lors du combat. Encore un poisson magnifique qu'on va relâcher direct vu qu'on a fait la vidéo de nuit. La nuit vient à peine de tomber, je ne vais pas les garder toute la nuit. Je vais pas la mettre en sac, je vais la laisser repartir. On va faire quelques petites photos. On a fait assez de poissons lors de cette session pour ne pas leur faire subir encore le passage dans le sac de conservation. Bon, la lumière n'est pas terrible, vous excusez, mais bon, je suis pas équipé pour.
Elle est la pépite de la soirée. Pas la plus belle, il y a eu deux belles, deux tons, incroyable. Mais là, il y a cette belle miroir. Cette belle miroir, une des plus grosses capturées au cours de la session. Très nerveuse. Un très beau poisson. Un combat, un super combat. Vraiment, je me suis régalé. Encore sur les billes 30 mm, hein. Triga Ice et BFM Krill Cranberry, un panaché. Une bille de 30 mm Triga et une bille de 30 mm BFM Krill Cranberry. Ça a produit plusieurs poissons cette nuit, environ 7 ou 8 poissons. J'ai pas replacé les cannes derrière, j'étais exténué, j'étais fatigué encore une fois. Donc à partir de 4h du matin, c'est ces derniers poissons que j'ai capturés. Et à partir de 4h du matin, du coup, je l'ai mise en sac. Je l'ai mise en sac, elle a passé environ 4h, 4 à 5 heures en sac. Ça lui a permis de se réveiller. Et j'ai pas replacé les cannes. J'ai pas replacé les cannes pour pouvoir me reposer. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réamorcé la zone. J'ai réamorcé tout le secteur là-bas. De sorte à ce que, malgré que les cannes ne soient pas replacées, le poisson puisse continuer à s'alimenter sur le spot. Et comme il n'y aura plus de combat jusqu'au moment où je remettrai les cannes, ça remettra, je l'espère, le poisson en confiance et pouvoir continuer sur la lancée à enchaîner les fiches comme je l'ai fait cette nuit, quoi. Voilà. Elle est nerveuse. Elle ne me facilite pas la présentation. Hop. Alors vraiment avec la frontale, je la pensais bicolore. Elle est un petit peu, hein, elle est un petit peu à partir d'ici. Faut vraiment la regarder au soleil pour le voir. Il y a la troisième petite bicolore attrapée au cours de ces 24 heures. Impressionnant, hein, impressionnant. Bon, celle-là, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une bicolore? Je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup sa rangée d'écailles au niveau de la dorsale. C'est une super découverte et en plus quand le poisson répond présent, c'est top. C'est top et je suis pas habitué à ça vu que je pêche depuis 2 ans plutôt. Je me suis lancé dans l'aventure des grands lacs. J'ai pas l'habitude que le lac soit aussi généreux avec moi. Bon, c'est pas un endroit difficile, hein, on va pas se leurrer, mais enfin c'est pas un endroit difficile. Pour choper, faire du poisson, c'est pas compliqué. Après, attraper les grosses, là, malheureusement, c'est quelque chose qui souvent ne dépend pas de nos stratégies ou quoi que ce soit. Il faut juste tomber dessus. Il faut juste qu'elles, 6 fois, elles sont passées 15 fois sur mes spots, mais les petits poissons ont été plus rapides. Donc ça, malheureusement, je peux pas le savoir. Mais bon, voilà, le bilan, c'est que... halieutiquement parlant, ça a été un régal, près de 70 départs, entre 50 et 60 poissons au sec, je dirais un peu plus, mais je préfère, j'ai plus compté à partir d'un certain moment. Et donc du coup, c'est un régal, hein. Quelques beaux poissons qui dépassaient les 13 kilos. La moyenne était à 10-12, mais j'ai fait quand même quelques poissons, notamment la belle de thon qui était aux alentours de 13-14. Après, j'ai fait un autre poisson à peu près dans ce gabarit-là. Il y a eu le poisson de 18. Puis voilà, cette stratégie que j'ai réussi à mettre en place m'a plu parce qu'elle a eu de la réussite malgré les quelques erreurs. Je suis arrivé, comme je vous l'ai dit, sur le premier poste. J'ai été vraiment sur de la pêche au spot pendant 2 jours. Et puis, pendant ces 2 jours, j'ai amorcé ce secteur-là. Et comme je vous le disais, ça a bien marché pendant 3-4 jours. Mais l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai pas mis de la quantité. J'ai continué, j'ai pas alimenté mon spot. Je l'ai pas alimenté, j'ai juste continué à balancer quelques poignées en pêchant à l'assiette, on va dire, sur des plateaux de 10 mètres carrés. C'est des grandes assiettes, quoi, des plateaux de 10 mètres carrés. Mais j'aurais dû en mettre beaucoup plus si je voulais garder ce train d'activité. Et donc du coup, mon amorçage, je l'ai laissé mourir jusqu'à mercredi dernier. Et voyant que vraiment les touches c'était rarifié, j'ai décidé de réamorcer jeudi soir. Là, j'ai refait un amorçage massif il y a 3 jours. Et ça m'a relancé. Là, ça fait 2 nuits où j'enchaîne les fiches, quoi. Où j'enchaîne les fiches, où j'endors pas,
où je suis très fatigué le matin, mais bon, ça vaut le coup, quoi, parce que encore cette nuit, j'ai fait deux beaux poissons. La nuit d'avant, j'ai fait une belle de thon, deux de thon, bon, une petite et une plus intéressante, sur près de 8 poissons sortis quand même. Bon, j'ai pas tout sorti, j'ai pas tout mis en photo, hein, ni en vidéo. J'ai relâché des fois à peine dans l'épuisette, j'ai décroché, j'ai laissé repartir. Mais voilà quoi, c'est quand même. Je suis pas habitué à ça, comme je vous disais, hein, en ayant fréquenté les Grands Lacs depuis 2 ans cette année. C'est quand même un lac qui fait 200 hectares. Bon, c'est pas un lac difficile. La difficulté ici, c'est de toucher les gros poissons. C'est pas vraiment de faire du fish. Mais quand même, voilà, j'ai fait une belle pêche. C'est pas tout le monde non plus qui réalise ce genre de rendement, en fait. J'ai sorti pas mal de poissons malgré les obstacles. J'ai eu très peu de casses. Donc vraiment, je suis super content. Et puis, pour la famille, je suis fier de mes enfants. Parce que quand on est arrivé, c'était pas évident. On était loin du poste. Le véhicule nous a lâchés à une centaine de mètres du poste qui était en dénivelé où il fallait transporter le matos. C'est lourd. Et ils ont charbonné. Ils ont charbonné jusqu'au bout. On a fait la queue leu-leu. Là, on s'est balancé. On a fait une chaîne et on a descendu le matériel comme il a fallu pendant la première journée. On a passé 2 jours sur le poste là-bas. Puis après, on a chargé les bateaux. On a mis une journée complète pour arriver jusqu'ici. Et certainement que demain, on mettra la journée aussi à rejoindre la mise à l'eau. Quoi qu'il en soit, il reste une dernière nuit. Peut-être que demain matin, je vous présente le babar du lac. Ça serait magique. Mais bon, quoi qu'il arrive, on n'en aura pas besoin pour avoir pris du bon temps et s'être régalé au bord de ce lac. C'est, voilà, comme je vous disais, le cadre à lui seul, il est déjà magique. Donc avec cette quantité de poissons attrapés, je ne vais pas faire le difficile. Je me suis régalé, tout le monde s'est régalé, c'est ça l'essentiel. Et une belle miroir de plus. 10 minutes après avoir fait la vie, avoir fait le bilan avec vous. Voici cette belle miroir. Ça y est, on est à la mise à l'eau, les camions sont chargés, on va pouvoir décoller, rentrer à Toulouse. Ben, ça a été un super séjour, vraiment agréable, que ce soit sur le point de vue halieutique, que ce soit sur le point de vue familial. On a vraiment pris du plaisir, on s'est régalé, que ce soit mes 3 enfants, ma femme, moi, vraiment, mis à part les galères à l'arrivée et les quelques galères qu'on a eues aujourd'hui pour repartir, tout s'est merveilleusement bien passé. Donc, mais pour tout vous dire, ce matin, on a commencé à plier à 10h du mat. Là, il est 18h, c'est-à-dire que toute cette journée, on l'a passée entre plier, charger les bateaux, traverser la mangrove derrière nous parce qu'il y avait Sado, que les moteurs ne passaient pas, il a fallu que je tire à la main. Finalement, les bateaux n'ont pas pu arriver jusqu'au bord. Il a fallu s'arrêter dans la boue à moitié chemin pour pouvoir rapatrier tout le matos. Ça a été quand même le parcours du combattant. Mais bon, c'est comme ça, les bonnes sessions de ce style-là, c'est forcément quelques petites galères secondaires. Après, niveau poisson, eh bien, 60 poissons, on va dire, au sec. J'arrondis, hein. 60 poissons au sec, à peu près 70 ou 80 départs. Quelques casses, pas énormément, hein, moins de 10%. Enfin, moins de casses et décroches, je veux dire, moins de 10%. Donc, vraiment un régal. Du joli poisson qui a été présenté tout au long de cette vidéo. J'ai pas l'habitude de
de faire autant de poissons dans un laps de temps aussi réduit, sachant que je fais quand même plusieurs fois par an des semaines complètes sur des grands lacs. Bon, là on est sur un lac de 200 hectares certes, mais qui n'est pas jugé très complexe parce qu'il y a un cheptel, il y a un bon cheptel de poissons qui répond bien à nos amorçages et c'est pas surpêché. Bon, après il n'y a pas de poissons énormissimes, donc c'est pour ça aussi que le lac n'est pas trop surpêché, mais vraiment, vraiment de la régalade, hein. Que de la miroir quasiment, à part quelques communes qui se sont laissées piéger entre ces ribambelles de miroir taillées entre 10 et 12 kilos. Il y a eu quelques beaux poissons, mais voilà, on est sur le rendement, je suis super content. Après les gros poissons, ils y sont, mais ils n'ont pas mordu. Ça, de toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est du sort du destin. Pouvoir choisir, cibler au milieu d'un cheptel un seul poisson, je pense pas qu'on puisse réellement le faire. Il y aura toujours des personnes qui vous diront qu'ils sont capables, moi je n'ai pas ces prétentions là. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça y est, on y va, c'est fini, let's go à la maison et à bientôt pour la prochaine. La prochaine, ça sera certainement avec mon ami Mehdi Bred sur le lac du Der. Voilà, allez, ciao.